Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode 8. C'est la deuxième partie de Fit Champions. On ira faire des petits SBC. On ira aussi ouvrir les récompenses. J'ai récupéré la connexion quotidienne d'hier. Et surtout, on a l'équipe 2 Progression Fut. On va quitter Fut. On va relancer pour vous montrer le screen. J'aurais pu le préparer en amont, mais franchement, j'ai eu la flemme. Je vous le dis clairement, j'ai eu la flemme. J'ai trop de travail aujourd'hui. Oui, un YouTuber a du travail. Voilà. Bref, voici l'équipe. Deux joueurs qui m'intéressent. Varane et Tchouaméni. Si on a un Goretzka, on dit pas non, c'est passé assez vite. En termes de SBC, j'ai regardé rapidement hier, il y a quand même pas tant de nouveautés que ça. On a un Ferran Torres, 92, ok. Je pense qu'il va monter à 94, une équipe à 85, une équipe à 87, il reste 13 jours. Donc si vraiment on a trop de doublons Foders, on pourra le faire, sinon. Patrick Vieira qui a été sorti récemment, les choix 81, ils partent demain, le choix Icon, et ils ont remis un PP 93+, je crois. On va regarder ça, mais je crois qu'ils en ont remis un, donc à voir si on a les Foders pour le faire. Ça va être compliqué. Il revient ce soir, il revient demain. Il revient demain, donc voilà, si jamais on a trop de doublons avec les récompenses Fut Champions. D'ailleurs, je me posais une question, depuis les TOTS, ils ont forcément changé les récompenses Fut Champions et j'ai pas pris le temps de regarder. Donc, vous cliquez là. Nous, on risque de faire 11 victoires. Donc, 11 victoires, c'est rang 5. On a 2 choix 84. Ok, donc c'est les TOTS des 5 grands championnats 91+, et on n'a pas de pack TOTS. Si tu fais 14, t'as 3 choix, 1 sur 4, et t'as le pack 3 joueurs TOTS à FIA mineur, qui est donc vendable. Ah oui, mais t'as la TOTS mineur. Et là, si tu fais 16, ouais, c'est que à FIA E. Ah, ils arrivent bien à nous manger. Hein. Bref, on va voir ce qu'on va faire. On est en 6-4, départ catastrophique hier, j'ai pas peur de le dire, j'espère qu'on va se rattraper aujourd'hui. Et c'est parti, premier match. Eh ben l'équipe, hein. Léao... Kouara, on va s'arrêter là. Et non, belle équipe. C'est but ça. Bien joué. Oh oui, bonne finition, coucou. Allez. Faut qu'on mette le 3-0, il a sorti le gardien. Et 3-0 en 11 minutes. Il est là, sûrement le meilleur viewer du chat. Il est ici, dès 8h du matin. En train de boire son café avec une petite brioche. Non, j'aurais peut-être pas dû la dire ça. Et ouais, j'aurais dû me fermer ma gueule. Oh. Oh là là, on en reprend un deuxième. Ah ouais, elle était division combien? Oh putain, 3-3. Oui. Oh là 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 là, Nkoukou qui régale. Bien joué. Ouais, moi ça me hype. Oh là là. Ah, j'ai les joysticks qui s'enfoncent. Ça c'est, enfin les joysticks, les gâchettes qui s'enfoncent, ça c'est insupportable. Oh, Nkoukou, c'est trop fort. Je crois que c'est le meilleur joueur que j'ai testé cette année. Hein. Pour moi, il est au-dessus de Mbappé POTM 93. Évidemment, j'ai oublié de lancer le rec. Je me rappelle même plus de son équipe. J'ai pas fait attention. Et on vient de marquer un but. Voilà, désolé. Oui. Ah, je pensais qu'il est revenu. Ouais, putain, bien joué. Oh, c'est vraiment dommage. Ouais. Moi, je l'ai bien brain là. Oh, Cavani! Non! Oh, mais tu vois, c'est que des buts de. Franchement, excusez-moi, mais c'est que des buts à la con. Allez, bien joué. Allez, il a fait pause. Est-ce que ça va quitter? Allez, 8-4. Oh,
Au penalty, pour moi, il prenait que le ballon. Hein. Allez, ça fait plaisir parce que souvent, les penalties en match, je les transforme pas. Oh, il a bien joué le coup. Il met deux fois le même but. Il n'y a personne qui va sur Diaby, c'est chiant. Eh, Dembouz. Allez, bouge pas le gardien, let's go. 2-2. Tu vois, si on gagne, tu vois, on passe en 9-4. 4, c'est pas si dégueu que ça. Non, mais vas-y, arrête, mec. Sois normal, mec, sois normal. Oh non, non, je peux... Mais j'y pense pas, en plus, sur l'engagement. Ouais, j'ai essayé d'aller chercher le pénalty. J'ai vraiment mieux à faire. J'ai rien compris. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe, FIFA? C'est que, tain, c'est le troisième but que je prends comme ça. C'est trop. Il fait que des techniques escalier, c'est trop. Ah, je la retouche en plus. Ah, il me la donne, j'ai de la chance. Allez sur corner, s'il te plaît. Oh oui, j'ai de la chance. Aïe 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 aïe. Franchement, je vous le dis, il y a quelques années, un match comme ça, j'aurais explosé la manette. Belle équipe en vrai, hein. Griezmann, Tot, je pensais même pas qu'il pouvait jouer à D. Comment je peux me faire avoir? Comment je peux me faire avoir aussi bêtement avec une semelle comme ça? Il y a vraiment... Oh putain. Oh là! Oh là là, je prends 3-0, je comprends pas. Faut qu'il va être dépassé et il est gentil parce qu'il a donné assez tard. Ouf, 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 ouf. Le cassage de rein. Allez, bien joué. Il va la rattraper. Oh putain. Le karma fait bien les choses. Allez, bien joué. Oh, les cartes rouges ont payé ici, Lionel Messi. Mes deux décès, ils ont fait chuit, écarté, terminé. Chuit. Oh, bien joué. Putain. Je comprends pas ce qui se passe dans ce match. Je sais pas. On dit pas t'es trop fort, un gars en 9-8. Hein. Alors j'ai pas de jugement sur les ratios Future Champions, mais non, aujourd'hui je suis pas bon. Allez, on est en 10, c'est bien.
C'est vrai que Za, latéral droit, ça a l'air sympa à jouer. Tu peux bien l'utiliser comme piston. Oh, il y a penalty. Oh non. Allez, ça part à droite. C'est vu et c'est perçu. Merci, Oba. Une erreur et il y a but ici, regardez. Yes. Ah oui, il m'a laissé passer. Oh, et là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en une passe. Tous mes défenseurs ont disparu. Ils sont tous partis dans un SBC en une passe. Il faut sortir ou il faut se décaler. Mais là, j'ai décalé. Et alors, il n'est pas sorti. J'ai pas appuyé. Il n'y a pas de souci. Mais il faut décaler là. Et j'ai décalé. Il s'est pas décalé. Oui! Ça. Oui. Je peux pas tirer. Vamos, vamos, vamos! Oui! Si vous me connaissez, il y a toujours un but en début de prolongation. Oui! Wouh! Et bah alors? Et bah alors, il est passé où, Aubameyang, là? Wouh! Ouais, bah il arrache quitte. Il arrache quitte, oui! J'ai jamais autant galéré à faire 11 de ma vie. Oh, et je me rends compte que j'ai vachement perdu quand même. 11 en Future Champions, il nous reste un match. On va évidemment donner la victoire parce qu'on est des personnes gentilles. Mais franchement, Future Champ était plus simple l'année dernière. Mais l'année dernière, je le faisais sur PS4. Et c'est ça la différence. Parce qu'au final, janvier, ça change pas grand chose. Hein, c'est toujours autant compliqué. Et là, on a galéré. On a galéré, on va finir en 11-8. Enfin, 11-9, du coup, on va donner la win. Mais ça a été très dur. Bien joué, Tapsoba. Plus efficace à marquer contre son camp qu'à arrêter des buts. Je ne vise personne. On va récupérer les récompenses. 11 victoires, c'est validé. C'est les premières récompenses sur ce compte-là. Donc, il y a un petit peu d'émotion. 11 victoires avec les nouvelles récompenses. C'est 2 choix, double 84. Ah, c'est choix Tots FIAE. C'est bien, il n'y a pas de Tots mineur. Pack joueur rare et pack ultime. Et du coup, c'est 30 000 crédits ou 20 000? 30 000 crédits. C'est pas mal. Commence avec les choix 84. Le premier, Donnarumma 88. Je vous rappelle qu'il y a des level up. Donc, si on peut en avoir un, on ne dit pas non. Le second, allez. Ok, bon, dommage. On va faire une petite prédiction. On met le cash Tots et on commence avec le premier pack qui vient d'être ouvert. C'est les émotions. D'ailleurs, on ira comparer ensuite nos premières récompenses là par rapport à celles de l'année passée. Allez, première récompense, le premier joueur. C'est correct, ça va pas être dingue, je pense. Commence avec un petit James. Latéral droit, on a plus ou moins ce qu'il faut. Donc, c'est pas top. Deuxième joueur, attention. Oh là, s'il y a du dribble. Ah, il n'y a pas assez de dribble. Non, il n'y a pas assez. Haute garde. Grosse défaite pour le moment, le premier choix. Et le dernier choix. Ruben Dias. Bremer 93, ok, je pense plutôt partir sur Bremer, je sais pas du tout son prix. Il y a quand même 96 de défense, plutôt une belle carte. Après, Serie A, j'ai rien dans mon club pour mettre un joueur de Serie A, mais je vais quand même aller voir son prix. Bremer Tots, 93, sur Footbin, c'est évalué à 35 000 crédits. Ouais, c'est une défaite, donc on va prendre Bremer. Il est vite oublié ce choix, faut vite l'oublier, on enchaîne avec le second. Et j'espère qu'on aura une victoire. Allez, 93 de physique.
Goretzka. Je me disais qu'il était complet ce joueur. Bien sûr. Oh là 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 là. Léon Goretzka, bien sûr. Ça fait plaisir. Attendez, il vaut combien Goretzka? Et il vaut que 100 000 crédits. Mais attendez, sa carte chute level up. Elle prend plus 1 partout. Elle vaut 5 millions. Ah ouais, mais c'est qu'elle peut passer en 98. Première belle carte du choix. Est-ce qu'on aura mieux? En plus, il rentre dans l'équipe. J'ai pas d'idée sur qui ça peut être. Ouais, bah j'ai mieux vaut que j'en ai pas. Et dernier choix, on aura eu une petite victoire. Hein. Ouais, c'est Bremer. Bremer, le docteur Bremer, Brenner sur dans Stranger Things. Bref, Goretzka, bon voilà, la petite victoire. Je pensais qu'il allait coûter beaucoup plus cher que ça, mais on a quand même un nouveau compte. Donc en vrai, c'est très très bien. On va aller envoyer ça au club. En vrai, je serais chaud de faire un petit pack TOTS là, vu qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il est en attaqué la deuxième partie du pack opening. On a quelques packs et surtout, on espère, enfin j'espère que vous espérez aussi, bien sûr, obtenir le premier joueur fut level up de l'équipe 2. Bon, Goretzka, c'était la grosse victoire des récompenses Future Champions. Dommage qu'il soit en fut level up. J'aurais bien voulu avoir le 96. Mais bon, on va pas se plaindre et puis on espère en obtenir. Hein. Petit joueur Team of the Week, vous connaissez la chanson. Si on a Mbappé, on est content. Et c'est une grosse animation. Suisse, ça a pas monté très haut. C'est quand même 85, c'est bien. Il faut quand même pas mal de boost dans les SBC. Donc un petit joueur gratuit comme ça, ça fait plaisir. Double 81. On continue. D'ailleurs, j'ai pas fait la remarque. Mais on a 50 000 crédits, donc ça va bien nous aider. Ça va être Zeko 84. L'équipe notée à 84 du pack TOTS. Je voulais en faire un. En plus, ça nous permet aussi de recycler les petits joueurs. Donc voilà. 3 joueurs 84. Est-ce qu'on a droit au bonheur? Ok. À voir ce qui s'y cache derrière. Ah, je l'ai déjà de rien. De mémoire, je l'ai déjà. On va le recycler. Bon, c'est bien. Hein, ça reste à 87. Ouais, je l'ai déjà avec Moreno. Bon, et ben, on va aller finir le pack TOTS. Comme ça, c'est bien. Hop, l'équipe notée à 85. On a mis de rien en doublon. Et on récupère notre petit pack TOTS au moment. Je crois que je l'avais fait. Mais non, je l'avais pas fait. C'est un pack TOTS offert dans les paliers. On avait packé Rémi Cabella. Donc j'espère qu'on aura un petit TOTS sympa. On ira s'ouvrir en dernier après le pack à 50 000 et le pack ultime. Pack à 50 000. On va essayer de le faire une fois par jour le pack TOTS. Donc là, c'est vendable. Donc c'est du italien. Laissez. Ouais, c'est pas ouf. Ça, on est d'accord, s'il n'y a pas d'animation, ça peut pas cacher le level up. Hein. Ça ne cache pas le level up derrière. Ouais, non. Ah, c'est dur. Pack ultime. Grosse animation, c'est vendable. Mbappé. Ronaldo. Ruben Dias 88. Je pense que je vais le vendre. Parce que les 88, je peux peut-être me faire un petit billet sur ça. Ruben Dias 88, ça vaut 13 000 crédits. En vrai, je vais m'en débarrasser. Hein. Je vais m'en débarrasser. C'est toujours ça de gagner sur ce petit compte-là. Pas d'autres animations. Pas de level up non plus. Et derrière, ok, des petits doublons. On finit par le pack TOTS vendable. Enfin, TOTS ou Moment. Ou Moment. Anglais, DLD, c'est James. C'est pas ouf. C'est vraiment, vraiment pas ouf. Bon, moi, c'est gratuit. Mais est-ce que du coup, je peux m'en faire quelques crédits ou James, il vaut 10 000 crédits? Il vaut 18 000. En vrai, je le vends. On va monter à 80 000 crédits. Donc en vrai, c'est bien. C'est comme ça qu'on peut monter. Hein. On se retrouve sur l'épisode 9 de Je recommence FIFA 0. Il y a un an, donc c'était nos premières récompenses Future Champions. Ça date du 11 juillet. Donc voilà, on avait recommencé FIFA un peu plus tôt. On avait fait 14-6, mais on était sur PS4 et c'est quand même beaucoup plus simple. On va regarder un peu les récompenses. Déjà, on a eu un choix méta. Oh, ça remonte, c'est métamorphosé avec les héros métamorphosés. Ok, donc les récompenses Future Champions, elles ont donné quoi? On avait eu un Son 95, mais je crois que Son, c'était pas mal à l'ancienne. Hein. J'allais dire à l'époque. À l'ancienne, c'était pas mal. Donc, on a eu Son et Maignan. Là, on a eu Bremer et Goretzka. En vrai, ça se vaut. Hein. Bremer, ça vaut un Maignan. Et Goretzka, ça vaut un Son. Même, c'est meilleur qu'un Son. Et notre équipe... Est-ce que je fais un bilan de l'équipe à la fin? Non. Mon équipe, là, à ce moment-là du jeu, c'était ça. Elle est pas mal. Mais regardez, si on... En vrai, ça se vaut. Hein. Ça se vaut parce qu'il y avait Chiellini, Insigne, Lacazette en version fin de saison. Mais regardez, si on compare les deux... Franchement, je pense bah celle-là est au-dessus, hein, parce que déjà, t'as Dembélé qui vaut 5 millions. Mais l'autre était bien rempli avec tous les SBC, mais ouais, quand même, on est mieux que l'année passée. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On arrive à la fin. On aura récupéré le petit Goretzka qu'on a rentré dans l'équipe. On a enlevé Foyt 93 qui était trop lent. On va mettre du coup Sildilia. On l'a, comment dire, je l'ai affronté pas mal de fois en Future Champion. Il a l'air très solide. Hâte de tester la carte de Goretzka. Et il est dans le vert partout. Il est dans le vert partout. Chaque année, il a un gros TOTS et je le teste jamais. Donc ça va être une belle occasion de le tester. On l'a toujours 33 de collectif. Donc voilà, on verra ce qu'on fera dans le prochain épisode. Un peu de rivals, peut-être les playoffs. On va peut-être refaire aussi le choix TOTS ou métamorphosé là, parce qu'on a eu Nkoukou, donc ça peut nous donner un petit truc sympa. Bref, moi je vais à la prochaine, c'était RG, et ciao ciao tout le monde.